Sachez que vous allez pouvoir rester au lit ce Les habitants de toute la région vont se rendre en ville à l'occasion de ce vendredi noir. Il y a des soldes dans plus de 9000 magasins. À partir de ce vendredi, plusieurs millions de dollars en espèces et de la pétrolie. Découvrez des promos à tomber dans tous nos magasins avec parmi les premiers. 40 millions d'Américains attendus en magasin. Cette année, la saison de la grippe va commencer. Cette maladie semble être une variante inconnue de la grippe, ce qui a surpris de nombreux experts. Restez avec nous pour plus d'informations. Nous reprenons notre flash spécial. Plusieurs cas de variole... Une épidémie de variole constitue un scénario bien rodé. Et des unités de la garde nationale se dirigent vers un hôpital... La variole représente une menace plus que le sida, plus qu'Ebola. Que les stocks de vaccins ne soient pas suffisants. Que les choses soient claires. Il n'y a aucune raison de paniquer. Une ville toute entière coupée du reste du monde. Sous le nom de Poison Vert, Central Park a été transformé en fausse lune. Des coupures de courant, des fuites de gaz, des incendies. Et le gouvernement ne semblait pas avoir ce temps disponible. Une nuit de pillage. Les habitants de New York aux abois. Ils étaient où les flics? On a un incendie au croisement de Houston et Pitt. Les secouristes sont soit morts, soit ils essaient d'assurer la sécurité de leurs proches. Des animaux. C'est pas notre boulot, on n'a pas été formés pour ça. Quand on a été activé, on savait que la situation était grave. Mais c'était encore plus grave que ça. Nous sommes des agents, des soldats d'élite dormant hautement spécialisés. Nous répondons à un appel lorsque tout le reste a échoué. Nous n'avons pas de règles. Nous n'avons pas de limites. Notre mission, sauver ce qui reste à sauver. Nous sommes vos collègues. Nous sommes vos voisins. Et parfois même, nous sommes vos amis. Mais lorsque vient l'appel, nous laissons tout derrière nous. Et nous devenons la division. En train de perdre tout le quartier. Les émeutiers ont franchi les barrages et ils se dirigent par ici. Alors il faut tenir cette position. Je vois que quelqu'un d'autre a reçu l'appel. Agent Phalo, division. J'ai été activé en même temps que vous. On fait partie de la deuxième vague. Je sais pas ce qui est arrivé à la première, mais j'ai l'impression qu'il nous reste encore pas mal de boulot à faire. On n'a pas beaucoup d'infos et on peut pas se permettre d'échouer. Manhattan est en confinement total et Brooklyn ne tardera pas à l'être. Les gens comme moi... Et comme vous, c'est tout ce qui reste pour tenir le front. Ce que je nous souhaite, c'est d'en savoir un peu plus quand on aura retrouvé le commandant. En savoir plus sur la situation, comme sur ceux qui transforment la ville en zone de guerre, et sur tout ce qui nous permettra de faire notre boulot au mieux. Si vous voulez bien m'excuser, lieutenant. Le Major Hazen et son équipe gèrent les rapports de situation. Si vous cherchez un coin où ça chauffe, c'est eux qu'il faut aller voir. Par là. Il y a un bar derrière cet immeuble. Ils servent les meilleurs cocktails de Manhattan. Si on reprend la ville, je vous promets que je vous paie un verre. Enfin, quand? Quand on aura repris la ville. Ah, le voilà. Le reste de l'équipe devrait être dans cet hélico. J'arrive pas à croire que ça arrive enfin. On y va.
Mission accomplie, agent. Le voilà. On y va. Ils servent les meilleurs cocktails de Manhattan. Me lâchez pas maintenant! J'ai besoin de vous! Pardon. Quand on aura repris la ville? Moi. Et merde, le commandant a pas survécu à l'explosion. Nous, on a une mission et on l'accomplira coûte que coûte. On arrive dans une minute. Vous devriez voir le point d'atterrissage sur ma droite. J'en sais déjà un petit peu plus sur la première vague. Certains sont morts et les autres sont portés disparus. Il ne reste plus que nous deux. C'est pour ça qu'il va falloir faire ça en équipe. Il n'y a aucune autre solution. JTF 6-8 à tour. Hudson en visuel. Ouais, j'ai deux agents de la division à bord. L'explosion, c'était leur hélico. Ok, prêt pour l'atterrissage. JTF 6-8. Normalement, il faut attendre avant d'être certain de pouvoir compter sur quelqu'un. Mais là, j'ai pas le temps. Je dois vous faire confiance. J'ai pas trop le choix. Et j'espère que j'aurai pas à le regretter. Je sais vraiment pas ce que vous venez chercher ici. Tout ce qu'il y a derrière cette barrière, c'est une putain de zone de guerre. Qui commande les opérations ici? Le capitaine Benitez, il dirige l'évacuation du Madison Square Garden. On a perdu le contact avec son escouade ce matin. Si on n'a pas de nouvelles, on évacue. Je veux pas entendre parler de repli. On va reprendre la ville. Emportez tout ce dont vous aurez besoin. Je vous rattrape dès que je peux. Alors bonne chance, vous allez en avoir besoin. Agent, il faut que notre base soit fonctionnelle et que les habitants de New York comprennent qu'on est en train de reprendre la ville. Notre base d'opération a du potentiel, mais pour l'instant elle fait peur à voir et on n'a personne pour la staffer. Si on veut être opérationnel, on a besoin de pros, et vite. Des médecins par exemple. Il y a une virologue qui gère un hôpital au Madison Square Garden, mais la zone est un vrai bordel. Avec elle, on pourra rouvrir l'aile médicale. Sans elle, par contre... On a perdu le contact avec le commandant de la JTF, Benitez. Ramenez-le, il nous le faut pour mettre en place le département sécurité. Et puis ce sera bon pour le moral des troupes. Il faut aussi qu'on rétablisse les services de base. On a besoin d'électricité et de renseignements. Il y avait un type qui travaillait dessus, mais il a eu un problème au cours d'une réparation. Sans lui, on est dans le noir. Écoutez... J'ai une mauvaise nouvelle. Je pourrais pas vous accompagner. Enfin, pas avec une jambe dans cet état. J'en ferai un maximum depuis ici, mais c'est pas pareil. Je crois que vous n'imaginez pas à quel point je voulais être sur le terrain. Je me suis entraînée toute ma vie pour vivre ce genre de situation un jour. Mais c'est pire que tout ce qu'on a pu imaginer. Vous et moi, on nous a interdit de nous attacher à qui que ce soit, pour pas être perturbés le jour où on nous active. Eh ben, j'ai obéi. Et ça a pas marché. Je me sens impliquée. C'est mes compatriotes, c'est ma ville. Et on va la reprendre. Écoutez, il faudrait que... Oui, je sais. Je sais. Ils comptent sur nous. On peut pas les abandonner. Approchez-vous. Le capitaine Benitez nous a trouvé du café. Oui, j'ai réussi à récupérer ce que Carman avait mis de côté. Bon, on est responsable de la zone qui va de Midtown au Lower Manhattan. Parce que absolument personne ne peut quitter l'île, nous compris. Mais notre plus gros problème, c'est encore le manque d'effectifs. La plupart de ces quartiers sont actuellement occupés et sous le contrôle d'éléments criminels. Rikers, nettoyeur, gang. J'ai pas assez d'hommes pour reprendre un quartier, encore moins pour maintenir l'ordre. Du coup, ces ordures sont libres de voler ce qu'ils veulent, de tuer qui ils veulent, simplement parce qu'il y a personne pour les arrêter. Ce qui veut dire que c'est à nous de nettoyer cette partie de l'île.
Si on veut que les habitants aient de la nourriture et des soins. J'en sais rien. Vu la taille de la zone, et le nombre de tarés qui se baladent, je suis pas sûr que vous ayez les épaules pour gérer, sans vouloir vous vexer. J'ai pas envie de vous jeter en pâture à une meute de loups. C'est nous, les loups, capitaine. Je sais. Mais peut-être que vous pourriez convaincre la division de vous envoyer plus de gars. Pour le moment, il y a que nous. Il faudra vous en contenter. J'arrive pas à croire que je mets ma ville entre les mains des fédéraux. Dès qu'on a des infos, on vous tient au courant. Bonne chance. Il vous en faudra. Regardez qui est là. Merci de m'avoir sorti du garden. J'avais déjà travaillé dans des conditions horribles, mais à ce point-là... Ouais, je sais. On peut pas dire qu'ici, ce soit beaucoup mieux. Le matériel est dépassé, il y a zéro personnel, les files de patients n'arrêtent pas de s'allonger. Je vois pas comment on va faire. On fait de notre mieux, Dr. Kendall. Mais si vous avez un avis à me donner, je vous écoute volontiers. Ouais, d'accord. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, je sais. Ce qui compte, c'est de vaincre le virus, mais j'y arriverai pas si j'ai pas plus d'informations. Voilà une première piste. Le Sera est convaincu qu'un certain Gordon Amherst a quelque chose à voir avec l'épidémie. Génial. Quelle ordure. Je l'ai vu présenter un article à Columbia. Il a failli provoquer une émeute. S'il est bien impliqué là-dedans, je vais devoir lui parler. Trouvez-moi tout ce qui pourrait lui appartenir, carnet, ordinateur, et rapportez-moi ça immédiatement. Ah, et j'ai aussi besoin d'échantillons et d'anticorps. Allez, vous avez du travail. Et vous, vous faites quoi ? Moi, j'étudie ça. Et je continue de sauver des vies. Si vous voulez bien m'excuser, j'aimerais m'y mettre. Écoutez, d'habitude je fais pas dans les violons, mais vous m'avez tiré d'un sacré merdier, alors merci. Vous attendez sûrement un peu plus qu'un remerciement pour avoir sauvé mes fesses. Ça vous plairait que je retape ce gourbi ? Ah, ça répond aux normes gouvernementales. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il continue à placer la barre aussi haut. Si tu veux de la qualité, fais appel au privé. Ça, je l'ai appris à Basra. Eh ouais, on peut pas vivre que sur du vent et des bonnes intentions, de l'électricité et de l'eau. Le menu extra large, quoi. Vous êtes pas le premier à essayer. Il y en a un tas, des types comme vous, qui ont foutu le camp quand ça sentait le roussi. J'ai fini par me faire ma petite théorie, d'ailleurs. Bon, je vous la fais courte. Quand vous serez dehors à rebrancher la ville, essayez d'être malin, cherchez à en savoir plus. Le virus les a peut-être tués, ou bien ils se sont peut-être fait descendre. Peut-être même que la ville a ouvert grand la bouche et les a complètement avalés. Ça m'étonnerait pas. Ça s'est déjà produit. On est dans une ville pourrie qui a tué ma femme. C'est vraiment un miracle que je sois encore là. Il y en a qui disent qu'un pessimiste, c'est un idéaliste qui a enfin compris. Eh ben... Ceux qui disent ça, c'est les trous du cul. Allez, allez-y, c'est à vous de trouver. Je vous dirai quoi rebrancher. Et essayez de pas vous faire bouffer, vous aussi. Attendez un petit instant. Oui, j'écoute. Désolé, Dr. Kendall, mais l'échantillon ne donne pas les bons résultats. Vous avez fait le test à température ambiante ? Vous aviez dit que... J'avais dit à température ambiante, vous comprenez ? Oui, oui, j'ai juste fait un écart de température. Bon, vous savez quoi ? Je vais le faire moi-même. Alors, arrêtez tout, on va simplement faire comme si rien ne s'était passé. J'arrive pas à croire qu'on manque de personnel qualifié en plein milieu d'une épidémie. Bref, le point positif, c'est qu'on a commencé à étudier ce que vous avez rapporté. Depuis que le docteur Ellis a repris la gestion de l'aile médicale, je peux enfin me concentrer sur mes recherches. Ma femme dit toujours que je m'entends mieux avec les virus qu'avec les humains. Ou plutôt mon ex-femme. Ouais. Désolée, je m'égare. Continuez à faire ce que vous faites. On est à mi-chemin d'avoir trouvé un vaccin, et si on peut compter sur votre aide, on va y arriver. Vous avez fait un sacré boulot de réparation. Je retrouve presque un peu d'espoir. Eh ben, c'est un miracle. J'ai dit presque, agent Lowe. C'est ce que vous avez vu sur le terrain qui m'empêche de dormir. J'étais pas si parano, après tout. J'avais raison, même. Vous avez les agents les plus forts, les mieux armés du monde, les plus intelligents, et pourtant sur le lot, il y en a quand même qui pètent les plombs. Même si vous avez du mal à y croire,
On les laissera pas gagner. Vous pensez que je suis pas dans votre camp? C'est ça? Vous pensez que je suis un cynique qui se fout de tout? Bah non, je suis un putain de patriote, voilà pourquoi ça me dérange. Vous savez comment ça fonctionne une démocratie? Grâce à l'équilibre. On n'a pas que des droits, on a des devoirs aussi. Les gens se rendent pas compte combien c'est précieux tout ça. Voter, faire partie d'un jury. Mais si on fait pas gaffe, on peut tout perdre en une seconde. On fait de cadeaux à personne ici. Ce pays a été conçu de manière à ce qu'il soit impossible de prendre tout le contrôle, l'équilibre des pouvoirs. Et un jour, il y a un fumier qui décide de créer la division. Et ça fout tout en l'air. Ils ont tous les pouvoirs, ils sont redevables à personne. À l'opposé de toutes nos valeurs, c'est normal que ça ait foiré. Et au final, on se retrouve avec quoi, hein? De bonnes intentions. Et à nous. Nous tous ici. Moi, j'ai plus que de bonnes intentions, alors on ira jusqu'au bout. Et on fera les choses comme il faut. J'ai envie d'y croire, et vous le savez, Agent Lowe. Mais je vois pas en quoi vous seriez différente des autres. J'espère simplement que vous l'êtes, pour notre survie à tous. Sans trop vouloir m'avancer, je crois que cette fois nous tenons quelque chose. Grâce à vous, on a pu retracer la dérive génétique du poison vert. Et en plus, j'ai réussi à identifier tous les différents types d'ADN qu'Amherst lui a ajoutés. Et avec les échantillons que vous avez récupérés sur les survivants, j'ai rassemblé des anticorps très efficaces contre notre supervirus. Et j'ai ébauché une feuille de route pour élaborer un vaccin. Tenez, jetez un coup d'œil à ça. En temps normal, j'aurais dirigé l'équipe de développement, mais ils sont mieux équipés que moi pour le faire à Ann Arbor. Et moi... Eh ben, je suis coincée ici avec vous. Mais ça me va. Parce que c'est pas le boulot qui manque ici. Et comme Amherst et peut-être aussi Tchernenko sont dans la nature, il suffirait qu'un psychopathe pose les bonnes questions pour que... Dites-moi que ça n'arrivera pas. S'il vous plaît. Docteur Kendall, vous êtes attendu en salle de réveil. Docteur Kendall. Ça y est, le devoir m'appelle. Agent, on ne pourra pas survivre à tout ça deux fois. Alors je vous en prie. Ah, regardez qui est là. Eh hé, voilà notre héros. Quand on vous a demandé de faire ça, je croyais pas que c'était possible de réussir. Les hommes que vous avez libérés, j'ai pu les affecter là où ils seront le plus utiles. Pas si mal pour des fédéraux, hein? Ben, j'avoue que j'ai vu pire. Regardez ça. Tous les groupes criminels auxquels on est confrontés sont en fuite. Ils sont pas tous partis, mais ils sont beaucoup moins nombreux. Et ça se voit. Les habitants se sentent assez en sécurité pour sortir à nouveau de chez eux. La JTF a pu aider le CERA à remonter leur tente. Et les gens se remettent à faire la queue pour venir chercher de la nourriture et de quoi se soigner. Il est clair que les choses commencent à changer. Hier, j'ai croisé un type qui tenait une épicerie dans mon quartier, dans le Queens. Il a dit qu'il pensait bientôt rouvrir son commerce. En faisant un petit effort... Je trouve qu'on se croirait presque à New York. C'est pas mal, non? Bon, allez, si on arrêtait un peu de se lancer des fleurs. Le LMB continue à me donner du fil à retordre, j'ai encore du travail. Et vous aussi, agent. Allons-y. Eh? Vous, vous êtes fortiche. Eh bien, me voici. Aaron Kinner, le fils prodigue de la première vague. En temps normal, je ferais ça en face à face, mais je suis jamais sûr à 100% de ce que tu vas faire. Tu agis d'une certaine manière quand Madame Lowe te regarde, et puis d'une manière complètement différente quand elle retire ta laisse. C'est plutôt intéressant comme contradiction. Je pense qu'au fond, tu as déjà tout compris. Les vieilles règles, les lois, le gouvernement... Tous ces trucs sont morts le jour du Black Friday. Alors les SMP, les évadés de prison, ceux qui sont suffisamment forts et intelligents pour prendre ce qu'il leur faut, ils survivront. Mais moi, je compte bien prospérer. Toi aussi tu pourrais prospérer, mais tu as prêté serment, n'est-ce pas? Tu as un devoir à accomplir. En gros, tu te fais baiser par ta conscience. Mais pose-toi la question. Qui a encore le droit de te dire ce que tu as à faire? Tu sais combien d'agents sont morts pour tenir la Dark Zone? Tout ça pour que l'état-major abandonne et construise un mur tout autour? Si tu me crois pas, va jeter un œil par toi-même. Tu verras bien. Les gens pour qui tu travailles, ils servent plus à rien.
Amherst a changé les règles du jeu et j'ai bien l'intention de gagner la partie. J'ai Tchernenko, une imprimante à ADN et un gros livre de recettes. Les règles maintenant, c'est moi qui les écris. Réfléchis à comment tirer profit de tout ça, toi aussi. Bonjour chez vous. Agent, les informations que vous avez trouvées dans ce labo étaient la pièce manquante du puzzle. Je crois qu'on va pouvoir vaincre cette saloperie. Et on a quelqu'un qui est revenu d'entre les morts. Écoutez ce qu'Amherst a à nous dire. Ce que vous voyez là, c'est le virus de la variole. L'un des pathogènes les plus mortels au monde. Pendant des siècles, il a contribué très efficacement à contrôler la population humaine. Mais, évidemment, les temps changent. Et parfois, Dame Nature a besoin d'un petit coup de pouce pour améliorer ses créations. Par exemple, pour les accélérer. Ou bien alors, les rendre encore plus contagieuses. Ou plus mortelles. Je n'ai pas développé cette approche tout seul. Mon ami Vitali est un véritable pionnier dans ce domaine. Et l'idée de déconstruire le génome existe depuis des années. Vous voyez, après avoir numérisé l'ADN du pathogène, nous l'avons rendu mutable à l'infini. Nous pouvions créer des milliers de variantes virtuelles dans le même temps qu'il fallait auparavant pour amener à maturité une seule génération en conditions de labo. Nous pouvions choisir les combinaisons les plus efficaces et les concrétiser. C'est comme ça qu'on fabrique un virus tueur. Vous mélangez le code génétique d'autres maladies et vous augmentez la létalité et la virulence au maximum. Idéalement, je visais un taux de létalité de 90%. Je ne suis pas sûr que mon poison vert l'atteigne, mais honnêtement, ce n'est qu'un détail. Tant que la majeure partie de l'humanité disparaît, la planète garde une chance de s'en sortir. En théorie, c'est la technologie qui tue la planète. Mais le véritable problème, c'est que la cupidité est le moteur de la technologie. Sauf qu'il s'est passé quelque chose d'amusant avec toutes ces cartes du génome et ces belles imprimantes 3D. Quelqu'un s'est rendu compte que ces technologies pouvaient être utilisées à meilleur escient. Moi. Maintenant, mon virus va faire ce que la nature a toujours fait. Décider de qui doit vivre ou mourir. Et s'il décide que je dois mourir, je mourrai. Mais si c'est le cas, je ne serai pas seul. Il aura suffi d'une sélection naturelle de pointe et d'un soupçon de manipulation génétique contre nature. Ce ne sont que des données, après tout. La vie n'est qu'un agencement de données. De la même manière que j'ai pu agencer le génome de la variole sur mon ordinateur. Et qui peut affirmer que ce n'est pas ce que la nature souhaite? Alors, si par miracle vous survivez au poison vert, c'est qu'elle a décidé que vous méritez de vivre. Quant aux autres, non, aucune chance. Alors mes amis, rendez-vous en enfer.